Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel consacrée à la programmation langage C. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions dans le langage C et leur utilité, utilisation et comment les déclarer. Les fonctions sont un aspect très très important du langage C pour la raison simple, c'est que le langage C est un langage procédural. Ça veut dire contrairement au langage orienté objet comme le Java ou le C++, le C suit une structure procédurale. Ça veut dire que les portions de code sont regroupées à l'aide de fonctions ou de procédures. Bien que le terme procédure n'est plus très très utilisé en langage C, on va dire que les portions de code sont regroupées en fonctions. Que l'on appelle bien sûr par la suite dans la fonction principale main ou que l'on peut les appeler l'une à l'autre, enfin l'une dans l'autre. Par exemple, une fonction peut en appeler une autre fonction peut en appeler deux ou trois autres. Ceci n'a pas de règle, mais pour les exécuter, il faut impérativement que toutes soient appelées dans la fonction main, sinon celles qui les appellent soient appelées dans la fonction main. Bref, nous verrons ça. L'utilité des fonctions, ben, c'est simple. Si j'ai par exemple une portion de code qui fait 200 lignes, si je veux la répéter par exemple un certain nombre de fois dans mon programme, ben, je ne vais pas m'amuser à réécrire les 200 lignes ou à copier-coller les 200 lignes 10 fois dans mon code. C'est simple, ben je vais mettre ces 200 lignes de code une seule fois dans ma fonction. Puis après, au besoin, ben j'appelle ma fonction au fur et à mesure que j'aurai envie de l'utiliser. Bref, nous allons partir d'un exemple très simple, un classique. Si je veux par exemple le triple d'un nombre, par exemple, c'est simple. Si c'est un entier que je veux retourner, ben je mets int. Ça, c'est la valeur de retour de la fonction. Int triple. Je donne mon nombre A, par exemple, que je veux tripler. Hop. Puis c'est simple, je mets return A fois A, par exemple. Si j'appelle ma fonction ici, je déclare, par exemple, un entier int b par exemple. Le b reçoit la fonction triple avec par exemple 5. Voilà. Puis je mets printf pourcentage t b. Si je compile, vous allez voir que j'aurai le triple de 5. Voilà, c'est 125. Là, c'est un exemple assez simple, mais supposons par exemple que je veux la multiplication de trois nombres, je mettrai ça, int A, int B, int C, et puis je mets C ici, B. En fait, là, il me faudra par exemple ajouter les paramètres, 3, 2. Je recompile, ben j'aurai la multiplication de 3, ben de 5 fois 3 fois 2 qui fait 30. Bref, ça c'est le type de la fonction, le type de retour. Ça c'est le nom de la fonction, et ça c'est ce qu'on appelle des paramètres. Ben ce sont des variables qui ont une portée locale. Ce qui veut dire que cette variable C, ben, elle peut être accessible depuis ma fonction ici. Mais si je l'appelle en dehors de ma fonction, si C reçoit par exemple 5, j'aurai là, enfin, ça souligne, on va dire, cette déclaration n'a pas de classe, bon, elle n'est pas reconnue. Si je mets ici par exemple C reçoit 5, ici, on va me dire qu'elle n'est pas définie non plus. Donc, C, elle n'est reconnue que dans la fonction triple. Par contre, le B,
ben, il est reconnu dans la totalité de la fonction main. Si je veux par exemple une variable qui soit reconnue à la fois dans ma fonction triple et dans mon main, ou dans toutes les fonctions que je pourrais déclarer par la suite, ben, je mets par exemple ici int global. Hop, maintenant si je mets global soit 4 par exemple, ça marche. Il n'y a aucun problème qui est souligné. Si je mets ici global soit 5, aucun problème souligné non plus. Mais il est très déconseillé d'utiliser des variables globales si ce n'est pour une raison spécifique. Bref, il y a, enfin, je peux donner n'importe quel type ici de pour une fonction int ou float ou double ou char si je veux, c'est pas grave. Par contre, il y a des fonctions qui ne retournent rien. Ben, ces fonctions qui ne retournent rien, ce sont des fonctions qu'on appelle void. Certains ont tendance de les appeler procédures, mais ce sont, pour parler, enfin, pour dire les choses bien, ben, ce sont des fonctions qui ne retournent rien. En langage C, rares sont ceux qui les appellent procédures, pour ne pas que je dise de bêtises. Les fonctions void sont généralement appelé pour faire des affichages simples, par exemple si je veux mettre une fonction par exemple void say hello par exemple, je mettrai par exemple un paramètre ici, char exemple message, hop. Puis je vais retourner, par exemple, enfin, je ne vais pas retourner, c'est un void, mais j'afficherai mon message, .s, message, hop, si je fais mon appel à la fonction, c'est hello, puis je donne mon message ici, salut, j'espère que ça va passer, puisque c'est statique. Voilà. J'ai mon salut qui s'affiche ici. En fait, les fonctions void ont tendance généralement à ne rien retourner, enfin, elles ne retournent rien, et font par exemple des affichages simples comme l'affichage d'un menu ou l'affichage d'un certain nombre de choses qui ne nécessitent pas de retour ou de valeur de retour. Pour terminer, j'aimerais vous montrer la façon avec laquelle nous appelons les fonctions entre elles. Je vais mettre par exemple ici une fonction int qui redonne une valeur int double, que je vais, enfin, je vais lui donner int a par exemple. Hop, int a. Ah, vous remarquerez que le double m'a été souligné ici parce que c'est un type en langage C en fait. Sinon, je vais mettre ici avec un D majuscule, ça marche. Si je veux par exemple mettre une fonction triple qui fait le, enfin, qui me donne le triple d'un nombre, je mets int triple int a ici. Je peux faire ça, return a fois a fois a. Ça va marcher sans problème. Par contre, je peux faire appel à ma fonction double. Ça va donner plus de lignes de code, mais ça va vous permettre de comprendre un peu le principe qui peut marcher sur n'importe quelle fonction, même si elles font plusieurs lignes de code. Je mets par exemple, je déclare une variable locale ici, int b. B reçoit double de a, qui est mon paramètre. Puis je retourne, je fais return b fois a. Ah, ça va me donner le triple de a. Remarquez ici qu'au lieu de mettre a fois a fois a, ben, je fais l'appel à ma fonction double. Je l'ai mise dans une fonction temporaire b. Puis je retourne b fois a. Sinon, je peux ne pas faire appel à b. Je peux mettre return a fois a fois double a. Et ça marche. Ça, c'était un appel. Bref, si je veux voir mon résultat, ben, je mets tout simplement un printf, pourcentage d,
puis triple de 5, ça doit donner 5, ça doit donner 125 pour qu'on soit plus. Voilà, le compte est bon. Bref, c'était l'utilisation basique des fonctions. Ce que j'aimerais vous montrer avant de clore cette vidéo, c'est que si je mets cette fonction triple en haut, ça ne va pas marcher normalement, car la fonction double doit être déclarée avant le triple. Et j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Oui, voilà. C'est le problème dont je voulais vous parler. On me dit ici double, identificateur introuvable. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, enfin le compilateur en langage C commence à compiler ligne par ligne. Quand il va rencontrer la fonction int triple de A, ben c'est bien, il va voir cette instruction return A fois double A. Puis il va retourner en haut pour voir est-ce qu'il a déjà rencontré cette fonction double ou non. Enfin double. Ici dans notre cas, il ne l'a jamais rencontrée parce qu'elle est en bas. Donc il va retourner naturellement une erreur comme quoi la fonction double, enfin double, n'est pas reconnue. Si je la remets en haut, je recompile, vous remarquerez que ça va marcher sans aucun problème. Voilà, c'était tout pour les fonctions. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur Kezako.